Bon après-midi, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse richement. Réellement, c'est un grand privilège. Comme nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu. Et nous croyons que cet après-midi, le Seigneur sera avec nous. Le vendredi, le Seigneur nous a bénis abondamment au travers de la prédication de sa parole. Que le Seigneur bénisse son serviteur, bien-aimé frère Paul, que le Seigneur puisse bénir son ministère, et que le Seigneur puisse bénir son épouse et ses enfants, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous prions que le Seigneur puisse bénir l'interprète, notre frère Michel toujours à son poste, que le Seigneur le bénisse ainsi que sa famille. Brother Fidel, Brother Noah. Frère Fidel ainsi que frère Noé. May the Lord bless him abundantly. Que le Seigneur le bénisse abondamment toujours au poste. To make sure that the word of God is being broadcast. Pour être sûr que la parole de Dieu est transmise. And we thank you all the brothers and sisters. Et nous remercions chaque frère et chaque sœur. For your support, your prayers. Pour votre soutien, vos prières. That you're giving out. Que vous nous donnez. As we are busy in this technical room. Comme nous sommes occupés dans cette maison. May the Lord rich bless you. Que le Seigneur bénisse richement. All your prayers that you're making for this team. Toutes les prières que vous faites pour cette équipe. God is listening to those prayers. Dieu écoute à ces prières. And God is answering to those prayers. Et Dieu répond à ces prières. Keep on praying for us. Continuez de prier pour nous. Keep on praying for the servant of God that stand up here to minister the word of God. Continuez de prier pour le serviteur de Dieu qui se tient ici pour apporter la parole de Dieu. Keep on praying for every brother and every sister. Continuez à prier pour chaque frère et chaque sœur. As our daily prayer is. Comme notre prière quotidienne est. That the Lord may give us a garment of humbleness. Que le Seigneur puisse nous donner l'humilité. That God may give us a garment of meekness. Que le Seigneur puisse nous donner la douceur. That we may walk in the path of the Lord. Que nous puissions marcher sur le chemin du Seigneur. That each and every day we may give glory to our God. Et que chaque jour nous puissions donner gloire à notre Dieu. We don't want to be praising man. Nous ne voulons pas louer des hommes. Of course we can congratulate somebody if he does something good. Nous pouvons féliciter quelqu'un s'il fait quelque chose But de we bon. But we cannot be fanatic of man. Mais nous ne pouvons pas être fanatiques no, des hommes. No, our fanatism. Notre fanatisme. It is unto the Lord Jesus Christ, our Savior. Le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. We respect the men of God. Nous respectons les hommes de Dieu. And those that are preaching the word of God. Et ceux qui apportent la parole de Dieu. In its entirely truth. Dans toute sa vérité. So we respect them. Et nous les respectons. And we respect every human being. Et nous respectons chaque être humain. Regardless of his affiliation. Quelle que soit son affiliation. Regardless of his belief. Quelle que soit sa croyance. Or her belief. Ou sa croyance. We respect that. Nous respectons cela. But one thing we know. Mais toute une chose that que nous savons. That in this last time of this time of the end. Que dans ce temps de la fin. The Lord has spoken. Le Seigneur a parlé. The Lord has spoken. Le Seigneur a parlé. And he has said, et il a dit, come out from among them. Sortez du from milieu all the confusion. De toute la confusion. From all denominations. De toute dénomination. Where men are ruling. Où les hommes dirigent. Instead of God. Au lieu de Dieu. Where men are imposing their rules. Où les hommes imposent instead of giving the word of God. Au lieu de donner la parole where de Dieu. Men are taking the preeminence. Où les hommes prennent la prééminence. Instead of God taking the preeminence. Au lieu que Dieu puisse prendre God la said, come out from among them. Dieu dit, sortez du milieu beloved de brothers and sisters. Come out from among them. We respect every human being. Whatever choice a man or woman has made, we respect that. Nous le respectons. We respect you. Nous vous respectons. But our duty mais notre devoir is to love you and pray for you. Et de vous aimer if et de God prier can pour vous. Grant you grace, si Dieu peut vous donner la that grâce, you may understand afin que vous puissiez comprendre that God did not leave us alone. Que Dieu ne nous a pas God laissé has sent his prophet. Dieu a envoyé son prophète. And when the prophet has come, et quand le prophète est venu with the word, with the message, avec le message saying to us, nous a dit come out from the confusion. De la confusion come out from among them sortez du milieu be reconciled with God soyez réconciliés avec back Dieu. To the beginning retour au back to the word of God retour à la parole it's de not Dieu. A time ce n'est pas le moment of having man philosophy d'avoir la philosophie humaine it's not a time ce n'est pas le moment of having man wisdom d'avoir la sagesse it's humaine it's not a time ce n'est pas le of moment having man knowledge d'avoir la connaissance what we de l'homme what we need today ce dont nous avons is the word of God. C'est la parole back de Dieu. To the word of God. Retour à la parole de when Dieu. God, quand vous prêchez la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Quand que Dieu bénisse richement, Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il savait qu'il y aurait ses élus dans les derniers temps. Et c'est pourquoi il nous a envoyé le prophète.
avec la parole. Sortez du milieu d'eux. Retournez à l'original. Retournez à la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse vos chemins. Je prends ce moment pour vous apporter les salutations. Notre frère Isaac de l'Angola vous a salué tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre frère Israël de la Démocratique République du Congo vous a salué aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et notre frère Freddy Koutouma de l'Angola aussi vous a envoyé ses salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous tenir debout? Et comme nous tenons debout, je veux dire un mot de prière. Gracieux Seigneur, Père éternel, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, pour ce moment que tu nous as donné. Seigneur, comme tu es sur le point de faire descendre tes bénédictions sur tes serviteurs, sur tes enfants, fils et filles, connectés dans leur maison, Seigneur, que tu puisses remplir leur maison avec les bénédictions célestes. Bénis la team, l'équipe tout entière, même notre frère Caleb qui n'est pas venu, que tu puisses être avec lui. Seigneur, nous voulons commencer ce service et terminer avec lui. Que tu puisses prendre la prééminence sur toute chose qui va se passer sur cette place. Comme nous avons une grande attente, Seigneur, que tu vas nous parler. Donne-nous un cœur réceptif, que notre esprit soit loin de la distraction et que notre concentration soit sur le Seigneur comme la parole. That Father, we may gladly receive it. Et que nous puissions la recevoir avec joie. Word of God we're going to hear, et que cette parole de Dieu que nous allons entendre, qu'elle puisse avoir un impact sur nos vies. Parce que chaque jour de notre vie, nous voulons te bénir, Seigneur. We want to glorify your name. Nous voulons glorifier ton nom. We want to give you honor. Nous voulons te donner honneur. Because you deserve. Parce que tu mérites. You deserve the honor. Tu mérites l'honneur. You deserve the glory. Tu mérites la gloire. Oh, Father, thank you. Oh, Père, merci. For the breath of life. Pour le souffle de vie. Forgive our trespasses. Pardonne nos manquements. Everything we have done wrong. Tout ce que nous avons fait, Seigneur. Look at us through the blood of your regarde-nous sur le sang de Jésus. The blood which has been shed at the cross of Calvary. Le sang qui a été versé and au sein de Calvaire. And if we are, Lord, what we are today. Et si nous sommes ce que nous sommes standing aujourd'hui. Standing before you, eternal nous God. Nous tenons devant toi, Dieu éternel. Lord, it is by your grace of c'est God. C'est par la grâce du Seigneur. That is why, Lord. C'est pourquoi, Seigneur. Would you take the preeminence over us? Puisses-tu prendre la préminence and lead us in the path of righteousness. Et nous conduire sur le chemin de la droiture, comme nous nous confions entre tes mains. Would you grant us, Lord? Puisses-tu nous accorder, Seigneur? Un esprit de douceur. Puisses-tu nous accorder, Seigneur, l'esprit d'humilité. Oh, Père, conduis-nous par ton Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis la parole que nous allons lire. Et bénis toute chose qui va se passer ici. In the name of Jesus au nom Christ, de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. As we're standing up, et nous nous tenons debout in your homes, dans vos maisons, we're going to read the word of God, nous lisons la parole de Dieu Zephaniah, chapter 3. Dans Zéphanie au chapitre 3. Zephaniah, chapter 3, dans Zéphanie au chapitre 3, verset 17. For the Lord your God has arrived to live among you. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. He is a mighty Savior. Comme un héros qui sauve. He will rejoice over you with great gladness. Il fera de toi sa plus grande joie. With his love. Avec. With his love. He will calm all your fears. Il gardera le silence dans son amour. He will exult over you by singing a happy song. Il aura pour toi des transports d'allégresse. And I've got a living Bible yet says. Et l'édition Bible vivante dit. For the Lord your God is living among you. Hallelujah. Car le Seigneur votre Dieu est en train de vivre parmi vous. He is a mighty Savior. Il est un sauveur puissant. He will take delight in you with gladness. Il prendra la réjouissance en vous avec joie. With his love. Avec son amour, he will calm all your fears. Il va calmer toutes vos peurs. He will rejoice over you with a joyful song. Il se réjouira sur vous avec des sons de joie. Fear
La peur, it's a fertile ground for the devil. C'est un terrain fertile pour le diable. The devil multiplies himself on fear. Le diable peut se glorifier sur la peur. It is a fertile ground. C'est un terrain fertile. But the fertile ground for the Lord Jesus Christ. Mais le terrain fertile pour le Seigneur Jésus Christ. It is faith. C'est la foi. Let your faith stand up, beloved brothers and sisters. Puisse votre foi se tenir, bien mes frères et sœurs. Do not fear anything. Ne craignez rien. Even if somebody stands to catch you. Même si quelqu'un vous tient de vous. Remember, a weapon that is forged against you will not stand. Souvenez-vous, une arme forgée contre vous. And a curse without cause cannot stand. Et une malédiction sans cause ne peut pas résister. And in actual fact, a servant of God cannot curse. Au fait, un serviteur de Dieu ne peut pas maudire. We are in another dispensation. Nous sommes dans une autre dispensation. The dispensation of the Lord Jesus Christ. La dispensation du Seigneur Jésus Christ. Whatever word we heart out of our mouth, toute parole que nous faisons sortir de nos bouches, it is a blessing. Doit être une bénédiction. When you see in this time, in this dispensation we are living in, quand vous voyez dans cette dispensation dans laquelle nous vivons, a man called the man of God, un homme appelé homme de Dieu, and he said he said, "Curse you." Il dit que il vous maudit. That man is a vessel in the hand of the devil. Cet homme est un instrument entre les mains du diable. Children of God. Enfants de Dieu. Sons and daughters of God. Fils et filles de Dieu. The servant of God. Le serviteur de always Dieu. Always the blesses. Bénisse toujours. When you do them wrong, quand vous leur faites du mal, they say God bless you. Ils vous disent Dieu vous bénisse. When you insult them, quand nous les insultons, they say God bless you. Ils vous disent Dieu vous bénisse. Whatever you do to them, quoi que ce soit que vous leur they faites, say God bless you. Ils vous disent Dieu vous bénisse. If a so-called man of God, si un soi-disant homme stand de Dieu, and say I curse you, il vient vous dire qu'il vous maudit, and stand and say bad things against you, et vient vous dire de mauvaises choses contre forget vous, forget about that man. He's a tool in the hand of the devil. Oubliez cet homme, c'est un instrument because entre les mains the spirit of Christ in a man, parce que l'esprit de Christ dans un homme bénira toujours. Alléluia. Amen. That is what the Lord Jesus Christ, c'est pourquoi le Seigneur Jésus Christ, dying on the cross of Calvary, mourant sur la croix du calvaire, he could say to man and we, he could say to God, il pouvait dire au Dieu, Father, forgive them. Père, pardonne-leur. All these that are persecuting me. Tous ceux qui me persécutent. Those that are reviling against me. Tous ceux qui and God sont said, contre Father, moi. Forgive them. Père, pardonne-leur. Because they do not know what they are doing. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. If somebody curses you, my brother, my si sister, quelqu'un vous bénit, mon frère, ma soeur, say to the Lord, frère, Lord, forgive this man. Dites à Dieu, Seigneur, because pardonne cet homme. If this man would have known you, parce que si cet homme te connaissait, he wouldn't have cursed me indeed. Il n'aurait pas maudit. Réellement. People are cursing others mais les gens because les they do not know God. Parce qu'ils ne connaissent pas let Dieu. Let them have the experience of God. Laissez-les avoir, recevoir l'espérance let de them Dieu. Enter into the presence of Almighty God. Laissez-les entrer dans la présence du Dieu and Tout-Puissant. Come out of the presence of Mighty God. Et sortir de sa présence. You're going to see that their approach will be changed completely. Vous allez voir que leur approche va changer. Because everyone that is coming to contact with God, parce que celui qui entre en contact avec Dieu, his approach is completely changed. Son approche est changée complètement. His mouth is full of blessing than cursing. Sa bouche est pleine. I repeat again. De bénédiction. A man et non standing in the pulpit cursing others, un homme qui se tient à la chaire et wishing les bad things to happen to others, souhaitant que les mauvaises choses is arrivent a devil autres. Possessed, he's not Christ possessed. C'est un homme possédé par le diable et non pas not par Christ. Not a man of God. N'est pas un homme de Dieu. Is a devil possessed. C'est un homme possédé. Because of man of God. Parce qu'un homme de Dieu. He has got the spirit of God. Il a l'esprit de Dieu. What is the spirit of God? Et qu'est-ce que l'esprit de Dieu? It is the spirit of love. Un esprit d'amour. The Lord rich bless you. Que le Seigneur bénisse. The devil grounds for multiplication. Le terrain fertile pour le diable is fear. C'est la peur. And God's ground for multiplication et and do His great work. Le terrain fertile pour que Dieu puisse faire son grand travail. It is through faith. C'est au travers de la foi. May the Lord rich bless you. Que le Seigneur bénisse richement. Now we're going to sing a song. Nous allons chanter un cantique. And as we're going to call the servant of God. Et comme nous invitons le serviteur de Dieu. May the Lord bless the ring of His word. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. And bless it in your heart. Et le bénisse dans son cœur. And a small word of exhortation. Et un petit mot de ce petit mot d'exhortation. Jesus lead me high. Jesus lead me high. Thank you.
Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être retrouvés en ces lieux pour adorer. We are rejoicing to be in this place to worship et proclamer la parole de notre Dieu. And proclaim the word of our God. Car nous avons la vie à cause de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. For we have life because of all the word which Mon frère, ma sœur, l'heure est très avancée. My brother, my sister, the hour is fast spent. Ça, c'est la fin du temps de la grâce. This is the end of the time of grace. Et les véritables croyants, and the true believers, dans tous les âges, in all ages, ils sont toujours mal compris par les gens de ce monde. They are always misunderstood by the people of this world. Ça, c'est l'expérience faite par notre bien-aimé frère Branham qui l'a dit. This is an experience made by our brother Branham, nous who says, nous serons toujours mal compris par les gens de ce monde. We will always be misunderstood by the people of this world. Parce que ce sont des esprits différents. Because they are two different spirits. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you richly. Sans tarder, nous allons tenir debout pour lire la portion de la parole. Without further delay, we're going to stand to read the portion of the word. Car la parole nous soutient dans les temps de faiblesse. For the word sustains us into the time of weaknesses. Depuis la semaine passée, on a abordé quand même les sujets. Since last week, we have spoken Pourquoi about. Les gens sont si ballottés? Why are people so tossed to and fro? Prêché le 1er janvier 1956. Preached on the 1st of January the 1956. Nous allons lire dans Hébreux 10. We are going to read in Hebrews chapter 10. Hébreux 10 à partir du verset 19. Hebrews chapter 10 from verse 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. This is the new life-giving way that Christ has opened up for us through the sacred curtain, by means of his death for us. 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, and since we have a great high priest who rules over God's people, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Let us go right into the presence of God with true hearts, fully trusting him, for our evil consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Il y a une traduction qui parle aussi de la même façon. There is another edition which speaks in the same manner. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans les lieux très saints grâce au sang du sacrifice de Jésus. Thus, brothers, we have the freedom to enter the most holy place through the sacrifice of the blood of the Lord Jesus.
Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c'est-à-dire par son propre corps. He has opened for us a new way and a living way through the curtain, which means by his death for us. Nous avons un grand prêtre placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance. Le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. We have a great high priest who rules over God's people. Let us go right into the presence of God with true hearts, fully trusting him, for our evil consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Que notre Dieu bénisse la lecture de sa parole. May our God bless the reading of his word. S'il vous plaît. You may be seated. Avant de commencer, il y a les salutations de notre bien-aimé frère. Il a salué toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Before we go further, frère Trésor et sa femme Josiane. We have our brother Trésor and his wife Josiane who greeted the church in the name of our Lord Savior Jesus Christ. Que Dieu vous bénisse aussi, mon bien-aimé. May God bless you as well, our beloved. Nous croyons que Dieu est avec nous. We do believe that God is with us. Et s'il est avec nous, il nous conduit toujours dans sa parole. And if he be with us, he will lead us always in his word. Comme l'homme de Dieu pouvait le dire autrefois, as the man of God could say in former times, si vous êtes appelé par Dieu, if you are called by God, si vous êtes convoqué par Dieu, if you are called by God, il y a trois choses que vous devez considérer sans oublier même une. There are three things you must consider without forgetting even one. Vous devez d'abord considérer l'écriture. You first of all need to consider the scripture. Vous devez d'abord considérer votre motif. You first of all have to consider your motives. Et troisièmement, vous allez considérer l'accomplissement. And thirdly, you will consider the fulfillment. Si vous êtes sorti sans considérer l'écriture, if you have come out without considering the scripture, vous êtes déjà dans les faux. You are already into the wrong. Mais si vous êtes sorti tout en considérant l'écriture, but if you have come out considering the scripture, Dieu sera toujours avec vous. God will always be with you. Parce que nous combattons un combat spirituel. For we are fighting a spiritual fight. Hallelujah. Amen. Et il y a une deuxième chose. And there's a second thing. Quel est le motif qui vous pousse à sortir? What is the motive which is pushing you to come out? Quel est le motif qui vous pousse à prêcher? What is the motive which is pushing you to preach? La troisième chose. The third thing. Voyons l'accomplissement. Let us see the fulfillment. Si réellement Dieu lui-même doit prendre la chose à main. If indeed God himself has to take the matter in his hand. Parce que Dieu ne peut pas appeler aujourd'hui quelqu'un. For God cannot call today somebody. Il l'envoie. Sends him. Puis l'abandonne sans l'équiper quand même donc de tout ce qu'il faut. Then forsakes him without equipping him of what he needed. Les deux espions furent envoyés pour explorer les pays. The two spies were sent to explore the land. Là, c'est dans Josué 1. That's Joshua chapter 1. Vous verrez qu'ils sont entrés dans une maison malfamée. You have noticed that they entered in a house. Dans une maison de honte à Jéricho. In a house of shame dans in Jericho. Dans la maison d'une prostituée. In the house of a prostitute. C'est cette maison qui a ouvert quand même des portes pour recevoir des espions. That's the house which opened a gate to let the spies enter. Vous ne verrez nulle part là où les deux espions ont causé avec Rahab les affaires de mariage. You will see nowhere where the spies spoke to Rahab about marriage. Dieu a corrigé même la prostituée. God corrected even the prostitute. Tu ne dois pas toucher à mes oints. Do not touch to my anointed. On ne doit pas vivre de n'importe quelle manière, bien-aimés frères et sœurs. We should not live anyhow, beloved brothers and sisters. Lorsqu'on essaie de vous reprocher, when you are being reproached, dis non, ne touchez pas à mes oints. No, do not touch my anointing. Ces deux espions sont allés pour les affaires du royaume. These spies went for the matter of the kingdom. Ils ont parlé à Rahab les affaires du royaume. They spoke to Rahab about the matters of the kingdom. Et Rahab pouvait leur dire, en tout cas, nous avons entendu parler
des miracles que votre Dieu a opérés. And Rahab could tell them, indeed we have heard about the miracles which your God has operated. Et nos cœurs sont troublés au-dedans de nous. And our hearts are shaken in our inside us. Moi. Promise unto me. Parce que je vous ai fait une faveur. For I've made a favor unto lorsque you. Lorsque vous viendrez pour prendre les pays. When you'll come and si vous get hold of the land. Garder la vie de mes parents. Can you spare the life of my parents? La vie de mes frères. The life of my brothers. Ma propre vie. My own life. J'ai besoin de vivre. I need to live. Un véritable serviteur de Dieu. A true servant of God. Il a la vie en lui. Who has life in him. Il doit toujours transmettre la vie même à une très grande prostituée. Must convey life even to the greatest prostitute. Il ne peut pas sortir. Il se fait lui-même prédicateur de la prostituée. He cannot come out and make himself the preacher of the lui prostitute. Lui-même se proclame fiancé de la prostituée. And himself gets engaged to il the prostitute. Il baptise la prostituée. And baptize the prostitute. Et il devient le mari. And becomes the husband. Ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. That is contrary to the will of God. C'est ça la façon dont notre Dieu a toujours protégé ses élus et ses serviteurs. That's the way our God has always protected his elect and his servant. Maintenant, pour ce qu'il y a du sanctuaire dont la Bible nous parle. Now concerning the sanctuary which the Bible is speaking to us. Ce sanctuaire, nous le voyons encore dans Hébreux 9. This sanctuary we see it again in Hebrews 9. Comment c'était établi? How it was established? Hébreux 9, à partir du premier verset. Hebrews 9 from first verse 1. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. The first covenant had also ordinances of divine service and a heavenly sanctuary. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée les lieux saints, étaient les chandeliers, la table et les pains de proposition. For there was a tabernacle made. The first wherein was the candlestick and the table and the showbread, which he is called the sanctuary. Derrière les grands voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée les saints des saints. Behind and after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all. Quatre. Four. Renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Which had the golden censer and the ark of the covenant overlaid around about with gold, wherein was the golden pot that had manna and Aaron's rod budded and the tables of the covenant. C'est ça la manière dont le tabernacle a été bâti. That's how the tabernacle was built. Et ce n'était pas n'importe qui devait entrer d'abord dans les dans la partie des saints. And it was not anyone who could enter into the place or the holiest place. Là, c'était la partie que pouvaient fréquenter seulement les sacrificateurs. That was the place where only the priest could go. Mais dans les saints des saints, but in the holiest of holy, c'était seulement les grands sacrificateurs. It was only the high priest qui entrait là une fois par an. Who entered there once a year. Alors dans la partie d'avant, c'était les sacrificateurs qui entraient du jour au jour. Then into the first portion, it was the high priest who entered daily pour brûler l'encens afin d'expier le péché du peuple et leur propre péché. To burn the incense and so that to, for the atonement of the sin of the people and of his own sin. C'était un service qui se faisait du jour au jour. That was a service which was being done day after day. Mais dans la partie là où qu'on appelle les saints des saints, c'était les services qui se passaient une fois par an. But the place which is called the holiest of all, it was a service which was done once a year. La Bible nous dit que le grand sacrificateur devrait y entrer avec une corde liée à son pied. The Bible is telling us that the high priest would enter there with the rope tied to his leg. Si on essaie de tirer la corde pendant qu'il est au service. If they pull the rope while he's in the service, il n'essaie pas de bouger, il ne sort pas. And he does not move or does not come peut-être out. Peut-être il est déjà mort là-dedans. Maybe he's already dead inside. Et d'autres sacrificateurs ne peuvent pas entrer pour récupérer les corps. And other high priests cannot enter to take the body. Il faut seulement tirer par la corde et le faire sortir. They will just pull the rope and let him come out. Ce n'était pas un lieu que personne
que chacun pouvait seulement venir jouer, non, moi aussi, moi aussi. It was not a place where anyone would come and play and say I as well. C'est pourquoi la première alliance c'était une alliance qui était liée à la loi. That's why the first covenant was a covenant which was bound to the law. Qu'en est-il de la deuxième alliance? What about the second covenant? Nous voyons que ça a commencé avec Jésus. We notice that it started with Jesus. Et accompli avec Jésus. And was fulfilled with Jesus. La manne qui était déposée dans ces lieux. The manna which was placed in this place. Mon frère, ma sœur, c'est la même manne qui avait été ramassée dans le désert. My brother, my sister, it's the same manna which was collected in the wilderness. Cette manne, si vous la mangez aujourd'hui le soir, if this manna you eat it today tonight, demain matin elle doit pourrir. The next morning it will rot. Si vous retournez sur les champs afin de ramasser la manne que vous avez laissée hier, if you return on the field to collect the manna which you left vous yesterday, vous allez trouver qu'il y a déjà des vers, ça pourrit. You will see or notice that there is already worms. Il it is rotting. Manger la manne fraîche, du jour au jour. You had to eat the fresh manna day after day. Mais voyez la manne qu'on avait prise pour déposer dans l'arche. Now you notice that the manna which was taken to put into the ark fut conservée jusque dans la terre promise. Was kept until it reached the promised land. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu Branham nous dit, un homme, une femme qui mange la manne. That's the man of God, Brother Abraham, tells us that a man or woman who eats the manna, la manne fraîche, the fresh manna, la parole de l'heure, the word of the hour, il doit toujours être frais. Must always be fresh. Il ne doit pas s'agiter. He must not be il ne doit agitated. Pas avoir des inquiétudes. He must not have worries. Comme la foule qui était dans le désert, as the multitude which was in the wilderness, c'est une foule mélangée, it was a mixed multitude, qui pouvait manger la manne, which could eat the manna, se rassasier, and be satisfied, tout de même à s'inquiéter, but nevertheless start worrying and murmuring and criticizing. C'est de la même façon nous voyons des gens aujourd'hui dans des églises. In the same manner we see people in churches today. Ils viennent dans un grand réveil. They come in the great revival. Ils viennent à l'église. They come to church. Après la prédication, ils sautent de joie. After the sermon, they jump with joy. Dieu nous a parlé. God has spoken to us. Notre Dieu nous a bénis. Our God has blessed us. C'était bien d'être dans sa présence. It was good to be in his Mais presence. Mais une fois sorti dehors, but once he went out, les voilà alors commencer à vivre la même vie qu'ils menaient avant. They start leading the same life they were leading before. Hallelujah. Amen. C'est pour vous dire que la manne ne peut pas transformer la vie de quelqu'un. This is to show you that the manna cannot change the life of a person. Les mêmes gens qui avaient mangé la manne dans le désert, the same manna which ate the manna in the wilderness, le faux était resté toujours des faux. The false one were still et the false one. Et ceux qui avaient des cœurs purs avaient toujours des cœurs purs. And those who had a pure heart were still their la pure heart. La manne pouvait seulement leur donner la force physique de marcher, de the vivre. The manna could give them the physical strength to walk and be alive. Hallelujah. Vous voyez aussi que la nourriture que les animaux mangent parfois dans la ferme. You see that sometimes the food which the animals eat into the farm. Cette nourriture qui sont les herbes parfois ne peuvent pas changer la nature d'une bête. That food, which is the grass, sometimes cannot change the nature of that beast. Vous trouverez les brebis qui mangent avec les bœufs. You find the sheep which is eating with the cattle. Les porcs, les cochons mangent aussi les herbes. The pork is eating as well the same grass. Mais les herbes ne peuvent pas changer la nature du porc. But the grass cannot change the nature of the pork. Les herbes ne peuvent pas changer la nature de la vache. The grass cannot change the nature of the cow. Les herbes leur donnent seulement la force. Leur donnent seulement la bonne santé. The grass gives them only the good health. C'est pourquoi la manne fraîche que nous avons aujourd'hui, so le message de l'heure, the fresh manna we have today, the message of the hour, plusieurs l'ont mangé. Many have eaten mais it. Leur nature n'a jamais été changée. But their nature has never been changed. Au cas contraire, ils ont eu la bonne santé de progresser dans le mal. Contrarywise, they have received the good health to move to go forward ils into ont evil. Ici des belles expériences de s'exprimer et de s'excuser dans le mal.
They have received the best experience to express themselves and to excuse themselves into evil. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a jamais été changé. Why? Because their heart has never been changed. Amen. Amen. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous conseille d'être toujours honnête. That's why the man of God is advising us to always be honest. L'honnêteté, mon frère, ma sœur, c'est une base. Honesty, my brother, my sister, is a base. Et il nous dit, vous devez toujours dire la même chose. And he tells us that you always have to speak the same thing. Plus d'un million de fois, dites toujours la même chose. Over a million times, always say the same même thing. Même si vous avez raison. Even if you are right. Même si vous avez tort. Even if you are wrong. Dites toujours la vérité. Always speak the truth. Et Dieu honore un cœur qui est sincère. And God honors a heart which is sincere. Tu ne peux pas aujourd'hui dire une autre chose. You cannot today say something else. Après deux mois, on demande, frère Paul, dites-nous ce que tu nous avais dit là. After 2 months, you ask brother Paul, tell us what you told us there. Tu as déjà oublié ou bien tu commences à changer l'histoire. You have already forgotten or c'est you start changing the story. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui manqueront des bénédictions de Dieu à cause des manques de sincérité. That's why many today will miss the blessings of God because of a lack of honesty, of sincerity. Ils ont mangé la bonne manne. Ils ont mangé la nourriture de l'heure. They ate the good manna. They ate the food of the hour. Mais ils sont devenus très forts dans le mal. But they have become stronger in evil. Ils sont devenus très forts dans les discussions. They have become stronger in discussions. Pour mettre le mal et engager des écritures là-dessus. To do evil and to present scriptures on it. Mais notre Dieu reste le même. But our God remains the same. Il a toujours fait grâce aux humbles. He always gives grace to the humble. Aux orgueilleux. And resists c'est the lui proud. Qui est entré dans les lieux très saints. He is the one who entered into the most holiest place. Mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui se repose. Such a person who entered there is parce a person who is resting. La religion chrétienne, for the Christian religion, c'est une religion des gens qui se reposent. Is a religion of people who are attached. Un véritable chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui se repose. A true Christian born again, he is a person who il se repose de toutes les mauvaises œuvres. He rests from all the wicked works. Il se repose de toutes les choses mauvaises de ce monde. He rests from all the wicked things of this la world. La mort peut frapper dans sa famille. Death can strike in his family. Vous trouverez qu'il est toujours bien posé. You will find him that he is le always calm. Le chômage peut frapper à sa porte. Joblessness can strike to his door. Vous trouverez que c'est un homme qui est toujours souriant. You will find him always smiling. D'où viennent que les gens sont toujours ballottés aujourd'hui? Why is it that people are always tossed to and fro today? Parce qu'il y a un groupe de gens qui ont une foi intellectuelle. For there is a group of people who have an intellectual faith. Amen. Amen. Une foi basée sur les expériences de l'université, des books. A faith which is based on the experience of university, of books. Est-ce que ça peut seulement arriver? He says, well, it can happen. Mais comment? But how? Mais il y a un groupe de véritables croyants. But there is a group of true believers. Qui aient la maladie, qui aient des problèmes. Whether there be diseases, whether there be troubles, whether there be difficulties. Ils ont une devise. They have one point. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. They have one motto. The one who is with us he is stronger than the one in this world. Il ne nous abandonnera pas. He promised us not to forsake us. Si on peut quand même ajouter une écriture là-dessus. Let us add a scripture on that. Si Dieu a promis de nous abandonner ou pas. To see if God has promised to forsake us or not. Des inquiétudes sur base d'argent. Worries on the ground of money. Des inquiétudes liées aux occupations de ce monde. What is on the ground of the occupation of this world? Hebrews 13:5. Nous dit quand même quelque chose là-dessus. He's telling us something about that. Hébreux 13 à partir du verset 5. Hebrews 13 from notre verse 5. Notre vie ne dépend pas de l'argent. Our life does not depend on money. Cette traduction nous parle que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. This edition tells us that let your conversation be without covetousness. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. And God, be content with such things as he has, for our God said, I will never leave thee nor forsake thee. Dans notre tradition, il est dit,
Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Your behavior should not be determined by the love of money. Votre conduite. Your behavior. Notre conduite. Our behavior. Notre comportement ne doit pas être déterminé par ne doit pas être déterminé par l'amour de l'argent. Our behavior should not be determined by the love of money or covetousness. Quand il y a l'argent, when you have quand money, il y a le travail, when you have a nous job, avons une autre conduite. You have another behavior. C'est le temps de venir à l'église. It is a time Dieu to come to church. God is wonderful. Dieu est bon. God is good. Il nous a tout donné. He has given us maintenant, all. Quand vous passez au test, now when you come to the test, là, votre conduite change. Well, then your behavior changes. C'est ça. Les gens qui ont la foi intellectuelle, qui sont toujours ballottés. Those are the people who have an intellectual faith and who are always tossed to and fro. Mais un véritable lui ne peut pas changer. But a true one will never change. Il peut avoir des problèmes sérieux dans sa maison. He can il have vit comme s'il n'a pas de problème. Serious troubles in his house, but he lives as if he does not have problems. Il peut avoir beaucoup d'argent dans sa vie. Vous le voyez, c'est comme s'il n'a pas d'argent. He can have a lot of money in his life, but you see him as if he does not have money. Parce que notre vie ici-bas n'est pas déterminée par l'argent que nous avons. For the life we have on this earth is not determined nous by the money we have. De notre Dieu. We entirely depend from our nous God. Nous devons avoir notre foi ancrée totalement et entièrement en Dieu. We should have our faith anchored entirely and totally in parce our God. Parce que c'est lui qui nous a promis ici que je ne vous abandonnerai pas. For he is the one who promised you that he shall not forsake you. Moïse qui connaissait d'abord la valeur de Jéhovah dans la marche. Moses who knew the value of Jehovah, the worth of Jehovah into the walk. Il a conversé avec lui une fois. He spoke to him once. Hein? Si tu ne marches pas avec nous. He says, if you do not walk with us. Nous aussi nous allons pas nous déplacer d'ici. We shall also not move from here. Tu dois marcher avec nous. You have to tu walk with nous us. Conduire. You should lead tu us. Tu dois nous soutenir. You should support parce que us. Si tu es avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. For if you are with us, we are more than overcomers. Exode 33, 14. That is Exodus 33 verse 14. La conversation entre Dieu et Moïse. Showing us the conversation between God and Moses. Je serai toujours avec vous. He says, I will always be with you. Je ne vous abandonnerai pas. I will never forsake Dieu you. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. God has never forsaken his il children. Il est le rocher frappé. He is the smitten rock donne son eau. Who gives his water. Et ses eaux sont toujours continuelles. And his water are overflowing. Continuous. C'est le même rocher qui suivait Israël. And we see that this rock is the same rock which was following Israel. Aujourd'hui. Which is leading us today. Hallelujah. Amen. Exode 33, 14, s'il vous plaît. Exodus 33, 14. Le Seigneur lui répondit. The Lord answered unto him. Je viendrai en personne. Tu n'auras pas à t'inquiéter. Amen. My presence shall go with thee, and I will give thee rest. Lui-même en personne. Himself avec nous. In flesh, in person, with us pourquoi and in you. Vous why? Inquiétez? Why to be worried? Les inquiétudes. The cares. Font partie de la vie. Part of the life. Jésus avec ses disciples savait qu'ils devaient s'inquiéter. Jesus with his disciples, they know that there would dans be cares. Dans Matthieu 6. In Matthew 6. Nous pouvons ajouter quelque chose. We can add something. Qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 6? What is said in Matthew 6? À partir de 25 là. From 25. On peut aller 28. We can go to 28. Même à partir de 25 là, ça commence déjà. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. On that same verse, it's saying, do not worry. À partir de la maison, vous pouvez garder. Même à partir de 25 là. From at home, from home, you can read even from 25. Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? And why take ye thought for raiment? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Consider the lilies of the valley, they, how they grow. They toil not, neither do they spin. Venez. Pourtant, je vous l'ai dit, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. And amen. And yet I say unto you that even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. 30. Salomon, dans toute sa grandeur,
dans toutes ses richesses. Solomon in all his glory, in all his money. Loué, adoré même. A person people were glorifying and praising. Lui. He dresses well. La Bible le dit qu'il n'a jamais été vêtu comme les fleurs. The Bible says he has never been dressed Dieu like the lilies. Dieu a mis ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Wherefore God dresses the grass, if God dresses the grass of the field, which today is and tomorrow will be cast into the oven. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Comme votre confiance en lui est faible. As your trust in him is weak. Si vous vous inquiétez ainsi, c'est-à-dire votre confiance en Dieu est faible. If you worry so much, it means your trust in him is weak. Vous avez un peu de foi. You have a little faith. Votre foi n'est pas grande. Your faith is not great. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Therefore, take no thought saying, what shall we eat, or what shall we drink, or where shall we be clothed? 32. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. For the Gentiles seek after all these things. For your heavenly Father knoweth that he have need of all these things. Alléluia. Amen. Un chrétien ne doit pas s'inquiéter de tout, de n'importe quoi. A Christian should not have cares on anything. Et rien de tout ce que nous avons énuméré ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu. And none of the things we have enumerated can separate us from the love of God. Il nous montre comment un chrétien ne peut pas être ballotté. He shows us how a Christian cannot be tossed to and fro. Il ne peut pas être agité. He cannot be agitated. Il ne peut pas être par-ci par-là. He cannot be left and right. Quand il y a la pluie de l'autre côté, il s'enfuit pour aller là où il y a la chaleur. When there is rain this side, he runs to go where there is heat. Il est toujours sous la conduite du Saint-Esprit. He is always under the leadership Comme of the Holy Spirit. Les enfants d'Israël pouvaient parler à Josué ce jour-là. As the children of Israel could speak to Joshua nous that day. Nous irons là où tu nous enverras. We shall go where he will send us. Nous allons t'obéir comme nous avons obéi à Moïse. We shall obey you as we obeyed to Moses. Ça c'est Josué 2. This is Joshua 2. Josué 2, s'il vous plaît. Joshua 2, please. Et si nous avons le Saint-Esprit comme Josué, and if we have the Holy Spirit as Joshua, est-ce nous obéissons réellement à Josué comme il le faut? Do we indeed obey to Joshua as it is should be done? Le livre de Josué. The book of Joshua. Notre Dieu reste le Dieu de sa parole. Amen. Our God remains the God of his word. C'est le premier livre de Josué. The first book of Joshua. À partir du verset 16. From verse 16. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous ordonnes. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons exactement comme nous avons obéi à Moïse. Josué 1. Joshua 1. À partir du verset 16. Verse 16. And they answered Joshua, saying, all that thou commandest us, we will do, and whithersoever thou sendest us, we will go. Est-ce c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Is it what we're doing today? Josué vous envoie en mission. Joshua sends you in mission. Est-ce que vous obéissez réellement? Are you indeed obeying? Dans notre marche, in our walk, nous avons une devise de ne pas devancer les Écritures. We have a motto not to go over the Scriptures. Nous ne devons pas rester en retard quant aux Écritures. We should not be late concerning the Scriptures. Ce qui est proclamé par Dieu, what is proclaimed c'est by God, notre propriété. Is c'est notre our héritage. Property, is our inheritance. On ne peut pas devancer même l'accomplissement des promesses. We cannot even go for before
We cannot even be ahead of the fulfillment of the promises. Oh, we cannot be behind concerning the fulfillment of the promises. With Joshua, we always walk to the rhythm of the gospel. Josué ne peut pas te dire de sortir. Joshua cannot tell you to come out and you start questioning him. Pourquoi? Why? Où est-ce que je dois aller? Why must I go? Tu n'es pas obéissant à Josué. You are not obedient to Joshua. Les deux espions n'ont pas posé de questions à Josué. The two spies did not question Pourquoi Joshua. Pourquoi tu nous envoies seulement deux? Why are you sending us only two? Tu ne peux pas envoyer quand même une équipe de 25. Can't you send a team of 25? Ils ont obéi. They obeyed. Ils se sont prosternés. They bowed down. Et Dieu a été avec eux dans la prospection. And God was with them in their ils prospection. Ils sont retournés en vie. And they returned alive. C'est pourquoi That's qui why, est aujourd'hui notre grand sacrificateur? Who today is Amen. Our high priest? Parce que les sacrificateurs d'autrefois, for the priest of the former times, ils ont mis des barrières. They put barriers. Ils ont mis des lois. They put laws. Il ne faut pas traverser ici. Do not cross over here. Dieu a dit. God said. Dieu a dit. God said. Mais aujourd'hui, but today, il nous a donné cette libre entrée dans les lieux très saints. We have been given this free entrance il into the autorisé. Holiest place. Who has authorized us? Nous lisons dans Hébreux 7, 25. We are reading in Hebrews 7, 25. Pour voir d'abord qu'il y a des différentes sortes des grands sacrificateurs. To see that there are two kinds of high priests. Il y a les grands sacrificateurs. Choisis par les hommes. There are high priests chosen by men. Et qui travaillaient pour les hommes. And who are working for men. Et il y a un sacrificateur. And there is a high priest. Grand. A great one. Qui est établi par Dieu. Who is established by God. Et qui n'est pas né selon la volonté de l'homme. And who is born according to the will of a man. À partir du 25, oui. From 25. C'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Qui? Hebrews 7:25. Wherefore he is able also to save them to the utmost that come unto God by him. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Seeing he ever liveth to make intercession for them. Otherwise it says he is alive to pray to God in their favor. Verse 26. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Amen. Jesus is thus the high priest we needed. Il est d'abord saint. He first of all is holy. Sans défaut. Without blemish. Sans péché. Without sin. Il a été séparé des pécheurs et élevé très haut dans les cieux. He has been separated from sinners and lifted very high in heaven. Alors notre grand sacrificateur de Lévites, while the other high priest from the Levite, lui avait des péchés. He had sins. Il avait des défauts. He had shortcomings. Il n'était pas saint, quand bien même il avait des écrits là saints. He was not holy, though he had the writings which were holy. Il offrait l'offrande de péché pour lui et pour le peuple. He was offering for his sin and for the people. C'est pour verset bien-aimé. 27, beloved. Il n'est pas comme les autres grands prêtres. He is not like other high priests. Il n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices. He does not need to offer sacrifices daily. D'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. First for his own sin and then for the people's. No. Il a offert un sacrifice une fois pour toutes. He has offered Amen. One sacrifice once. Quand il s'est offert lui-même. When Alléluia. If he offered up himself. Il nous fallait et il nous faut un grand sacrificateur comme celui-ci. We needed and we need a high priest like this one. Il nous faut celui-ci. We need such a one. Pourquoi? Why? Parce qu'il est saint. Because he is holy. Sans défaut. Without blemish. Sans péché. Without sin. Ni rien de semblable. Or something like et that. Et son épouse. And his bride doit être sainte. Must be holy. Sans péché. Without sin. Sans tache. Without any spot. Or something like that. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup des jugements. Pourquoi vous jugez? Today we speak a lot about judgment. Why do you judge? Why do you judge? On a parlé ça la fois passée. We spoke about it last time. Les gens voient les actes. People see the actions.
Les gens murmurent sur base de vos actes. People murmur on the ground of your actions. Ceux qui travaillent dans le travail là de je ne sais pas de corona. Those who work into that duty for against corona. Ils ont des screeners. They have a screener. À partir de 40 degrés Celsius, vous êtes déjà un candidat suspect. Once you have 40 degrees of temperature, you are already a suspicious candidate. Un des symptômes. It's just only one of the symptoms. Ils ne vous ont pas condamné. They have not condemned you. Ils ne vous ont pas jugé. They have not judged you. C'est juste un symptôme. Just a symptom. Maintenant, nous voyons dans notre royaume, il y a beaucoup de gens qui ont des symptômes. Now we see in our kingdom, many people have symptoms. La température qui va jusqu'à 40 degrés. The temperature goes up to 42 degrees. Je parle de la température spirituelle. I'm speaking about spiritual temperature. Et qui fait monter la fièvre. And which causes the fever to be high. Quand on essaie de lui dire, mon frère, votre température est vraiment haute. When we try to tell him, my brother, your temperature is high. Dit non, ne jugez point. He says, please do not judge. Ne juge pas. We do not c'est judge. Pour votre bien. It is for your good. Parce que cette maladie, because this disease, c'est une maladie infectieuse, is an infectious disease. Le péché peut vous aborder facilement et infecter ceux qui sont à votre côté. Sin can abuse you quickly and infect et those who are surrounding you. Péché, il peut entraîner plusieurs dans le murmure. Man, one can sin, but it can draw many into murmuring. Un seul peut pécher. One can sin. Il peut amener plusieurs dans le chaos. It can draw many into chaos. On a vu un qui n'était pas content d'entrer dans la terre promise. We saw one who was not happy to enter into the promised land. C'est notre bien-aimé frère, voleur de l'encore d'or. It is our brother, the thief of the gold, Hakan. Il a fait mourir des innocents dans la guerre. He caused innocents to die into the war. Pour lui, il a vu que non, une fois entré dans la terre promise, il veut être riche. For him, once entering into the promised land, il he wanted to be rich. Il va acheter d'autres terres. He's going to buy lands and cattle. À cause de son péché, même sa femme, ses enfants sont morts. Because of his sin, even his wife and children passed away. Les péchés, un seul péché peut infecter plusieurs dans la famille. One sin can infect many into the family. C'est pourquoi mon frère, ma sœur. That's for my brother, my sister. Partout où vous êtes. Wherever you are. Dans n'importe quelle condition. In any condition. Un véritable croyant n'a jamais été loin de son père. A true believer can never be away from his father and live anyhow. Il doit être en repos quand il est avec son père. He has to be at rest when he lives with his father. Il est dans la joie quand il est à côté de son père. He is happy when he is with his father. Il y a un jeune garçon qui venait d'atteindre, je ne sais pas, 22 ans, 24 ans. There is a young man who was 22 or 24 years old. Il pouvait dire à son papa, he could tell his father, de mon héritage. I need my inheritance. Je n'ai pas besoin de terre. I don't need land. Je n'ai pas besoin de fermes. I don't need farms. J'ai besoin de voir tout ce que j'ai et je vais les vendre pour aller faire des business. I want to see whatever I have and I want to go do business. Ça c'est Luc 15. This is Luke 15. À partir du verset 11 là, on peut quand même lire. From verse 11 j'ai we can j'ai besoin de mon héritage. I need my inheritance. J'ai besoin de mon argent. I need my money. Papa, je suis déjà mûr assez de je peux prendre ma propre vie en main. Father, I am already mature. I can take my own life in hands. Il est parti loin de son père. He went away from his father. Il était agité à he côté de son papa. Agitated next to his non, father. Non, je dois aller dans les affaires. Well, I have to go into une business. Une fois arrivé là-bas, once he went there, les business ne sont pas bien, n'ont pas bien marché. The business did not go well. Il s'est retrouvé dans des boîtes de nuit. He found himself into nightclubs. Il s'est retrouvé dans la prostitution. He found himself into prostitution. Il s'est retrouvé dans beaucoup de choses du monde. He found himself into many things of the world. Pourquoi? Parce qu'il était loin de son père. Why? Because he was away from his father. Mais une chose était certaine. But one thing was certain. Il avait toujours la carte d'identité dans sa poche. He always had the identity in his pocket which was bearing the name of his father. Hallelujah. Amen. Vous pouvez être rétrograde. You can be a backslider. N'oubliez pas que vous avez votre père qui vous attend. Do not forget that you have your father who is waiting for you. N'oubliez pas que vous avez un père merveilleux. Do qui not a forget toujours de vous. You have
a wonderful father who cares about you. Lui n'a pas besoin des biens matériels que vous avez perdus. He does not need the material il goods you have lost. Il a besoin de votre âme. But he needs your soul. Le père attendait toujours. The father was always waiting. Non. He says, no, one day he will return. Les jeunes garçons de l'autre côté, the young man on the other side, il a adhéré des grandes églises. Entered into great il churches. S'est associé à des grandes organisations. He became a member of great il organizations. S'est associé à des grands noms évangélistes. He joined a congregation of great des evangelists, grands théologiens. Of great il ne theologians. Pouvait pas trouver les repos. But he could not find the rest. Le repos est auprès de notre père. The rest is with our il father. Était toujours dans les inquiétudes là où il était. He was always in worries un where he was. Jour, one day, il est revenu en lui-même. He returned to himself. Hallelujah. Amen. Ça, c'est le bon terme. Il est revenu en lui-même. This is the exact wordings. He returned to le himself. Le père n'a pas envoyé une délégation pour les ramener. The father did not send a delegation to go and call les him. Les amis ne sont pas allés pour les retourner. The friends did not go and return non, him. Non, frère. No, brother. Retournons, mon bien-aimé. Let us return, my beloved. Va seulement confesser. Just go and confess. Tu peux seulement te repentir. You can just repent. Et l'église va te pardonner. And the church will forgive non. you. Non. No. Lui, il est revenu en lui-même. He returned to himself. Mon père a beaucoup de travailleurs. My father's got many workers. Il mange mieux. Who eats better. Qui s'habille très bien. And who are dressed moi, very well. Je souffre ici. I am suffering here. Dans des organisations. In organizations. Je souffre ici. I suffer here. Je dois retourner auprès de mon père. I have to return to my father. Pourquoi ne pas seulement avoir cette pensée en toi? Why not to have that thought in you? Pourquoi ne pas seulement retourner auprès du père? Why not to return to the father? Pourquoi ne pas entrer seulement dans les lieux très saints? Why not enter just into the parce holy place? Parce que c'est là qu'il y a le repos véritable. For that's where there is the true rest. Qui est la pluie? Qui est la chaleur? Whether it rains or si whether it is hot, you must les always rest. Les retourner mais vide. The young man returned empty-handed. Son père n'a pas posé des questions. His father did not ask questions. Où est l'argent? Where is the money? Pourquoi tu as fait ça? Why did you do this? Le père a besoin de toi. The father needs you. Il a besoin de toi, ma sœur. He needs you, my sister. Viens tel que tu es. Come as you are. Malgré tout ce que tu as perdu. Though you have lost il everything. Il est le seul capable de te restaurer. He is the only one able to la vie restore est you. Meilleure que les habits. Life is better than clothes. Ils sont dans des hôpitaux maintenant quand nous parlons. They are in hospitals as we speak. Avec beaucoup d'habits dans leurs maisons. With a lot of garments into their houses. Ils ont maintenant des robes des hôpitaux. They have now dresses from hospital. À quoi servira l'habit? To what use is your garment? Si tu n'es pas en bonne santé. If you are not in good health. Regarde la bonne santé que tu as là. But look at the good health you have now. Ce n'est pas la santé qui doit te donner le privilège d'aller te prostituer. It's not the good health which will give you the privilege non. to go and into prostitution. The good health you have, you did not have it because of cares. And that height you have, you did not have it because of cares. Les études que vous avez faites, ce n'était pas à cause des inquiétudes. And the studies you did, it was not because of your cares. C'est ça la grâce de Dieu. That is the grace of God. Notre Père Céleste, our Heavenly Father, il prend soin de nous. He takes care il of us. Capable qui peut élever. He is the only one who is able to lift up. Et il peut abaisser. And he can bring il you down. Il peut donner la vie. He can give life. Et il peut donner la mort. And he can give death. Ne vous inquiétez de rien. Do not worry of anything. Les inquiétudes tuent. The worries kill. Pourquoi vous êtes-vous si ballotté? Why are you so tossed to and c'est fro? C'est parce que vous n'êtes pas entré dans les saints des saints. It is because you have not entered into the c'est holy of holiest. C'est parce que vous n'êtes pas en Jésus Christ. Because you are not in Jesus Christ. Ceux qui sont en Jésus Christ se reposent. Those are in Jesus Christ are resting. Ils attendent le retour de leur mari. They are waiting for the return of their husband. Alléluia. Ils ne s'inquiètent de rien. They worry about nothing. Comme les véritables militaires formés pour la guerre. As the true soldiers trained for war. Ils n'ont pas le temps de se poser des questions. They have not time to ask questions about the shoes, the uniforms. Ceci, cela. No. Ils ont un gouvernement qui prend soin d'eux. They have a government which takes care of them. Ils ont un pays qui prend soin d'eux. They have a country which takes care of them. Avant que ça puisse s'épuiser, before the boots or the uniform is destroyed, there mais is another one Dieu coming. A besoin que de nous voir en uniforme. But our God needs to see us in uniform. Depuis que vous avez cru, since you believed,
Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Have you received the Holy Spirit? C'est ça l'uniforme. That is uniform. C'est ça l'uniforme. That's a uniform. L'uniforme, ce ne sont pas des vestes. The uniform is not l'uniforme, ce ne sont pas des robes. The uniform is not the dresses. L'uniforme, ce n'est pas la couleur de notre organisation. The uniform is not the color of our organization. Depuis que vous avez cru, since you have believed, il y a de cela 20 ans. There's been 20 years. Oh, 35 years. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Have you already received the Holy Spirit? C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans les repos. It is the Holy Spirit which causes us to enter into dans the rest. Dans le Saint des Saints. Into the Holy of Holiest. Loin de toute inquiétude. Away from all worries. Nous sommes malades. We are sick. Nous vivons comme si nous n'avons pas de maladie. We are living as if we don't have diseases. Pourquoi? Why? Parce que la grâce de notre Dieu nous suffit. Because the grace of our God is sufficient Pourquoi? For us. Why are we so tossed to and fro? Amen. Amen. On peut ajouter encore quelque chose. We can add something before we move on. Parce que notre Dieu prend soin de nous. Because our God takes care of us. Il ne peut pas nous abandonner. He cannot forsake us. C'est ce qu'il a promis. That's what he promised. Il est fidèle à sa parole. He is faithful to his word. Psalm 55, 22, please. Psalm 52, 22. Psalm 55. Psalm 52. Or Psalm 55. Son discours est tout sucre et tout miel, mais il garde l'intention d'attaquer. Ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper. The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart. Thy word was softer than oil, yet were they drawn swords. 23. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur. Il te maintiendra debout. Il ne laissera pas toujours les fidèles chanceler. Amen. Amen. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Il y a une autre tradition? Is there another edition? Il ne laissera pas toujours un juste agité. He will not let the just to be agitated, to be tossed to and fro. Pourquoi? Parce que le juste a jeté tous ses fardeaux sur l'Éternel. Because the righteous has cast all his burden upon the Lord. 23, please. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Cast thy burden upon the Lord, he shall sustain you. Mm-hmm. He will never let the righteous to slumber. Le juste ne pourra jamais être ballotté. The righteous will never be tossed to and fro. Le juste ne peut pas être agité. The righteous will never be agitated. Le juste ne peut pas chanceler. The righteous cannot be staggering. Pourquoi? Parce qu'il s'est déchargé de tous ses fardeaux sur l'Éternel. Because he has cast all his burden upon the Lord. Il nous porte avec tous nos soucis. He is carrying us with all avec our cares. Avec tous nos problèmes. With all our avec problems. Avec toutes nos difficultés. With all our difficulties. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. He says, come to me, all of you who are heavy laden and tired. I'll give you rest. Le repos est auprès de notre Dieu. The rest is with our Mais our God. C'est quoi aujourd'hui? But what is the problem today? Nous avions des fardeaux. We had burdens. Nous avions des problèmes et des difficultés. We had problems and difficulties. Notre Dieu nous transporte. Our God is carrying us. Avec les mêmes fardeaux, nous les déposons sur nos têtes. With the same burdens, we carry them upon our heads. Tout en étant en Jésus. While being in Jesus Christ. Non, mon frère, ma sœur. No, my brother, my sister. Là, ce n'est pas la foi. That is not faith. Là, tu n'as jamais été en Jésus. There you have never been in Être Jesus. Être en Jésus, c'est
Il doit te décharger de tous tes fardeaux. To be in Jesus, he has to carry all your burdens. Il ne peut pas continuer avec ça. You cannot continue that. Et une seule promesse qui sort de la bouche de Dieu. And a simple promise which comes out of the mouth of God. Pour nous a résolu le problème. For us, it has solved la all the problems. La promesse qui avait été donnée à Rahab. The promise which was given to Rahab. Par les hommes mortels. By the deadly person. Mortal person ça s'était accompli. Was fulfilled. Et ces hommes ont respecté quand même la promesse. And these people respected the nous promise. Reviendrons. We will return. Mais à condition qu'il y ait un signe donc cramoisi sur la maison. But there should be a red sign on the house. Sur la même corde par laquelle tu nous as fait sortir. On the same rope by which you let us out. Elle doit être gardée là à ta fenêtre. It has to be kept by your et door. Si la promesse est faite par Dieu, and if the promise is made by God, lorsque je verrai le sang, when I shall see the blood, je passerai par-dessus vous. I'll pass over you. Qu'est-ce qui peut nous arriver tant que nous sommes sous le sang? What can happen to us since we are qu'est-ce under the blood? Qui peut nous arriver tant que nous sommes en lui? What can happen to us once, as long qui as we are in him? Qui peut nous condamner si nous sommes en lui? Who can condemn us if we are in il him? Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. There is no condemnation for those who are in Jesus ne Christ. Ne faites pas semblant d'être en Jésus. Do not pretend to be il in Jesus Christ. Il faut entrer en Jésus-Christ. You have to enter in Jesus Christ. Il doit vous décharger de tous vos fardeaux. He must offload all your burdens. De tous vos problèmes. Of all your problems, de toutes vos difficultés, of all your difficulties, et vous aurez le repos véritable, and you'll have the true rest, dans les lieux très saints, into the most high place, les difficultés de ce monde, away from all the difficulties vous of the world, de la manne fraîche, eating the fresh manna, avec des bonnes pensées, with good thoughts. C'est pourquoi that's why nous dit encore, the scripture tells us again, c'est celui-ci le grand sacrificateur. It is such a one, the high priest we are in need of. C'est lui le véritable grand sacrificateur qu'il nous faut. He is the true high priest we need. Jésus-Christ. Jesus Christ. Qui est saint. Who is holy. Qui est sans tache. Who is without spot. Qui est sans péché. Without sin. C'est lui le grand sacrificateur qu'il nous faut. He is the high priest we need. Il est entré dans ces lieux une fois pour toutes. He has entered in this place once et and for all. Lui qui est entré avec lui, and the one who has entered with him, il est sauvé, pardonné une fois pour toutes. He is saved and forgiven once il and for all. Il ne peut pas jouer les chiens pour retourner encore aux vomissures de ce monde. He cannot play games and return to the vomiting of this il world. Il ne peut pas jouer les chiens pour aller manger encore des vomissures. He cannot play the game the dog game to return to the vomits il of this world. Il est passé de la mort à la vie. He has come out from death to il life. Est sorti des ténèbres à la lumière. He has come out from darkness il into light. Il est sorti de la condamnation à la justification. He has come out from condemnation to justification. Et il n'est pas seulement justifié. And he is not only il justified. Il doit aller jusque dans la sanctification. He must go until il sanctification. Il n'est pas seulement sanctifié. He is not only sanctified. Il est allé jusque dans le repos. He has entered the rest. Il se repose de toutes ses mauvaises œuvres. He is resting from all his wicked works. C'est celui qui volait. The one who was stealing, qu'il ne vole pas. Let him steal no more. Qu'il travaille avec ses propres let mains. Him work with his own ça, hands. C'est la parole de Dieu. That's the word of God. C'est celui qui s'est prostitué. The one who qu'il was a prostitute, prostitue ou pas. Let him no more s'il be prostitute. Brûle, qu'il puisse se marier. If he is burning, let him ça, be married. C'est la parole de Dieu. That is the word of God. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, that's why my brother, my sister, l'heure est avancée. The hour is fast spent. C'est celui qui a des oreilles. Let the one who hasn't heard puisse écouter ce que dit l'Esprit. Hear what the Spirit speaks. Mais Josué de notre temps. The Joshua of our time, Saint-Esprit, the Holy Spirit, nous lui devons l'obéissance. We have to obey nous him. Lui devons le respect. We owe him respect. Quand il dit arrête, tu arrêtes. When he says stop, you stop. Quand il dit repens, toi tu te repens. When he says repent, you quand repent. Quand il dit reviens, tu dois revenir. When he says return, you must return. Il nous conduit toujours dans les sentiers de la parole for de Dieu. For he leads us into the il nous conduit way of toujours the dans les sentiers word de la of God. Vérité. He leads us on to the path il of the truth. Il ne peut pas te laisser agiter, balloter. He cannot let you agitated and move to and fro. Il va te conduire de victoire en victoire. He shall lead you from victory to victory. Il va te conduire de lumière en lumière. He will lead you from light to light. Il a besoin de toi aujourd'hui. He needs you today. Reviens, mon frère. Return, reviens, my brother. Ma soeur. Return, my sister. Si tu peux seulement faire comme l'enfant prodigue l'avait fait. You can, if you can just do as the prodigal son il did. Il n'y a pas
de vie dans les organisations. There is no life into organizations. Il n'y a pas de vie dans ce monde. There is no life into the world. Les ténèbres couvrent toute la terre. The darkness covers the entire earth. Dieu a besoin de vous que vous puissiez sortir. God needs you to come out. Afin de vous engager dans sa lumière. For you to enter in his light. De vivre une nouveauté de vie. To live a new life. Et de refléter Jésus-Christ devant le monde. And to reflect Jesus Christ before the world. Pas être agité. Not to be agitated. Commencer à parler comme le monde. And speak like the world. Oh non, ces fléaux ici. Oh, this fléau là-bas. This plagues. Les chrétiens, même dans les temps des fléaux. The Christians, even into the time of plagues, is still at rest. Et si vous passez le temps des tests. And if you are going through the time of test. Notre Dieu corrige les enfants qu'il aime. Our God corrects the children si who loves him. Si vous faites le mal. Vous vivez dans le mal. If et you are living into evil Dieu. And you are not corrected by God, vous êtes un enfant illégitime. You are an illegitimate c'est child. La Bible qui dit. It's the Bible says c'est la it. Bible qui dit. It is the Bible says it. Un enfant qui fait mal, il doit être corrigé. A child who does evil must be corrected. Il doit être ramené sur le chemin. He must be returned on the way. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, that's why my brother, my sister, reviens dans tes voies. Return from your ways. Abandonner la voie que tu as empruntée, c'est la voie de la mort. Forsake the way which you have taken, it is the way of death. Que tu, qui conduit à la foi intellectuelle. The way which leads to intellectual path. Non, tout le monde le fait. Path. Tout le monde le dit. No, everyone is doing non, it. Non, mon frère, ma sœur. No, my brother, my sister. Tout le monde peut le dire. Everyone can mais say si it. Ce n'est pas la parole de Dieu, but il if it is pas not the word of God, there is no life in this world. Nous avons la vie à cause de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. We have life because of all the word which comes out parce of the mouth of God. Une mauvaise semence ne peut pas donner naissance à des fils à des filles de Dieu. Because an evil seed cannot give life to the children of God. La vie véritable vient de la véritable semence. The true life comes from the true seed. Cette semence doit être semée dans les cœurs, non dans des têtes. This seed has to be sown into the hearts, not into et brains. Si la semence est dans les cœurs, and if the seed is into the heart, it has to produce fruits. Comme les bâtons secs dans l'arche. As the dry stick into the hawk. Ces bâtons d'Aaron apportaient des fleurs. This staff of Aaron budded. Dans ce monde, nous étions agités. In this world, we were agitated. Sans Dieu, without God. Des étrangers. Foreigners. Des gens condamnés. People were mais condemned. Lorsque nous sommes venus dans sa présence. But when we come in his promise, nous sommes in his presence, en lui, when we can enter in him, nous ne devons pas être des arbres secs encore. We must not be dry trees again. Nous devons porter des fruits. We must bear fruit. Nous devons germer. We must bud. Et des fruits qui doivent demeurer jusque dans l'éternité. And bear fruits which must abide till eternity. Pas des fruits qui doivent apparaître aujourd'hui quand il y a le bon temps. Well, not fruits which must appear today when there is good times. Après le mauvais temps, les fruits disparaissent. After the bad time, the fruits go away. Les fruits que nous devons porter doivent demeurer jusque dans l'éternité. No, the fruits which we must bear must abide till eternity. C'est ça l'importance, mon bien-aimé, d'entrer dans les lieux très saints. That's the importance, my beloved, to enter into the par holy place. Par le glorieux Saint-Esprit. By the glorious Holy non Spirit. Non seulement j'avais parlé en langue. Not only I spoke non in tongues. Non seulement j'avais prophétisé. Not only I prophesied. Non, j'avais beaucoup prêché. No, I preached a non, lot. No. On doit porter des fruits. We must bear fruit. Parce que la parole est dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. For the word says you shall recognize them by their fruits. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you richly. Que Dieu puisse ancrer cette parole may en God vous. May God anchor this word et in you. Et que vous puissiez être ancré dans le Jéhovah. And that you may be anchored into the Jehovah who ne is the rock of ages. Ne soyez pas ballotté. Do not be tossed to and fro. Ne soyez pas emporté par les vagues de n'importe quelle doctrine. Do not be taken by any kind of doctrine. Si vous êtes rétrograde. If you are backslider. Ce n'est pas la fin de votre marche. It is not the end of your walk. Revenez à Dieu. Return to God. Il a encore des bras tendus vers vous. He still have his open arms to you. Parce que bientôt là, la porte de la grâce sera fermée. For soon the gate of grace will be closed. Que Dieu vous bénisse richement. May God bless you richly.